Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du garage de chevaux. Aujourd'hui je suis vraiment très content de vous présenter une voiture assez extraordinaire. C'est la plus rare, la plus fantastique, la plus exotique et aussi la plus chère de toutes les 2CV. Voilà, je vous parle évidemment de la 2CV 4x4 Sahara. Une voiture incroyable, fantastique, qui fait beaucoup parler d'elle hein, parce qu'elle bat souvent des records de vente sur les... de prix de vente sur les ventes aux enchères. Alors évidemment c'est difficile de parler de la 2CV Sahara sans parler de sa valeur, mais c'est pas ça le plus important, c'est pas pour ça que je vous fais cette vidéo. Je vous fais cette vidéo parce qu'en fait c'est une voiture absolument géniale et je pensais pas en fait adorer ce modèle à ce point. J'avais déjà eu souvent l'occasion d'en photographier pour le magazine. J'en avais vu plusieurs, voilà. J'étais déjà monté à bord en tant que passager, mais le fait d'en avoir une chez soi, de faire l'entretien, la petite réparation et de pouvoir l'essayer un peu mieux, ça m'a permis vraiment de découvrir une voiture absolument géniale que j'adore. Je vais commencer par faire un petit retour historique. Je vais vous raconter comment la 2CV 4x4 Sahara est née. Elle est née de l'imagination en fait, d'un particulier, un monsieur qui avait besoin d'un petit véhicule 4x4 et qui a décidé de construire sa propre 2CV avec, en mettant un moteur à l'arrière qui soit dédié du coup aux deux roues arrière. Et ce véhicule fonctionnait tellement bien que l'idée est remontée jusqu'au bureau d'études Citroën qui a demandé à voir la voiture. Et la marque a été impressionnée en fait par les capacités de la voiture et ça leur a donné des idées. Surtout qu'à l'époque, voilà, on était dans les années 50, il y avait encore les colonies, il y avait toute l'idée de trouver, d'exploiter le Sahara pour ses richesses, notamment le pétrole. Citroën produisait déjà pas mal d'utilitaires, 4 roues motrices pour envoyer en Afrique. Et ils ont eu l'idée, pourquoi pas, de faire... cette 2CV à 4 roues motrices. Surtout qu'à l'époque, il faut bien revoir ça dans le contexte de l'époque, il n'y avait pas de 4x4 sur le marché. Ou alors c'était les Jeeps de l'armée américaine qui étaient quand même des véhicules extrêmement inconfortables, avec pas mal de défauts, qui étaient solides mais qui étaient vraiment peu adaptés à l'usage que pouvait en faire un particulier. Il n'y avait aucun véhicule voilà, qui soit à la fois tout terrain et confortable, parce qu'on connaît tous les capacités tout chemin de la 2CV. Elle peut prendre les chemins à vitesse élevée sans qu'on soit trop secoué à l'intérieur. Vous faites ça avec une Jeep, c'était vraiment le jour et la nuit. Donc Citroën avait eu cette idée de faire un petit 4x4 qui soit utilisable par les particuliers ou par des personnes qui avaient aussi besoin d'un minimum de confort. Le premier modèle est présenté à la presse en fait dès 1958. Elle n'a pas encore cette allure extérieurement et c'est seulement en 1961 en fait que la 2CV 4x4 est réellement commercialisée. La marque a pris son temps. Je pense qu'ils savaient très bien que ce n'était pas un très gros débouché commercial. C'était plus une voiture qui allait servir pour l'image de la marque et puis c'était aussi je pense un petit délire d'ingénieur. Ça leur plaisait, ils avaient envie de s'amuser, donc quand ils trouvent un peu le temps, sûrement qu'ils étudiaient ça comme ils pouvaient. Et donc en 1961, la 2CV 4x4 voit le jour. Dans les grandes lignes, c'est un châssis renforcé, une suspension renforcée, des trains roulants renforcés et deux moteurs de 2CV assez standards puisqu'ils ont la seule particularité d'avoir un carbu un peu différent et une crépine d'aspiration d'huile plus grande. L'idée, c'est surtout d'avoir des moteurs qui puissent aspirer de l'huile, même dans les forts dévers ou avec beaucoup d'angles. Et pareil pour le carburateur, c'était des carburateurs qui permettaient d'aspirer de l'essence, voilà, même avec de l'inclinaison. Alors ici on a une 2CV 4x4 de 1965, elle est gris rosé, intérieur rouge. C'est une voiture qui fait donc plutôt partie des derniers modèles puisque c'est surtout voilà, en 61, 62, 63 que Citroën en a beaucoup vendu. La production a vraiment baissé ensuite au cours des années. Je crois que pour l'année 65 il y en a eu 38 et en 66 de mémoire 25. Sur un total de 694 exemplaires fabriqués. Donc c'est vraiment une voiture confidentielle. Il faut préciser qu'à l'époque, Citroën la vendait à peu près 2 fois plus cher qu'une 2CV normale. Donc voilà, fallait mettre 2 fois le prix d'une 2CV pour pouvoir s'acheter ça, sachant que on avait là une voiture qui demandait un peu plus d'entretien puisqu'évidemment il y a 2 moteurs, donc il y a 2 moteurs à vidanger, 2 boîtes de vitesse à vidanger et qui consomme un peu plus de carburant aussi qu'une 2CV normale et surtout qui n'a aucun coffre puisque à l'arrière on retrouve évidemment le moteur. D'ailleurs, la banquette arrière est avancée un petit peu, ce qui réduit d'autant plus l'espace intérieur. Donc même à l'arrière, les passages arrière, voilà, c'est quand même plutôt des places d'enfants. Donc je sais qu'il y avait des gens qui utilisaient les 2CV 4x4 qui retiraient la banquette, qui roulaient 4 2 dedans et ils mettaient en fait un bac à l'arrière pour ranger leurs affaires. Alors un sujet de discussion qui revient souvent, c'est est-ce que la 2CV 4x4 s'appelle vraiment Sahara? Quand Citroën présente la voiture, la marque elle insiste pas mal en fait sur les capacités d'exploration du Sahara avec cette voiture. Donc voilà, souvent les premières phrases c'est cette 2CV conçue pour le Sahara, etc. Et dans des notes internes en fait Citroën l'appelle aussi Sahara entre guillemets. Donc c'est pas faux de l'appeler Sahara, c'est vraiment son nom, sachant quand même que le sujet du Sahara est très à la mode en fait dans les années 50. À partir de 61, quand la 2CV et 4x4 est commercialisée, voilà, on arrive sur la fin des colonies, etc. Le sujet devient un peu plus délicat et Citroën n'utilise alors plus le terme Sahara dans ses publications, en tout cas pas dans ses publications commerciales, ce qui fait qu'on voit simplement l'appellation voilà, 2CV 4x4. Donc l'appeler 2CV 4x4 c'est juste, l'appeler Sahara c'est juste aussi, c'est juste que effectivement à un moment donné en fait c'est devenu plus un nom populaire que réellement son nom commercial. Hop, on va regarder sous le capot, je vais vous montrer les spécificités. Pour commencer, le moteur, 425 cm3, 12 chevaux. Bon, bien qu'il soit un peu poussé un peu plus, je crois qu'il annonçait 13 ou 14, voire 15, mais ça reste quand même le moteur avec les culasses à 3 goujons. Alors particularité de la 2CV Sahara, elle sort en 61. En février 62, la 2CV normale adopte le moteur de 18 chevaux avec les nouvelles culasses à 4 goujons. Mais la 2CV 4x4 Sahara conserve en fait l'ancien moteur. Donc il continue de produire le vieux 425 pour les pièces de rechange, mais aussi pour la 2CV 4x4 Sahara qui a des numéros de série de moteur à part. Comme je vous le disais, elle a une crépine pour l'aspiration d'huile qui est plus grosse que sur la 2CV normale. Et pour le reste, ça reste un moteur normal. On voit ici le carburateur Solex un peu plus gros, le filtre à air d'huile plus gros également. Boîte de vitesse, je ne sais pas si les rapports sont modifiés, sûrement. Elle tire assez court, hein, surtout sur 1, 2, 3, les rapports sont vraiment courts. On sent que c'est une voiture quand même qui fait pour le tout-terrain. La particularité surtout c'est d'une part l'embrayage à commande hydraulique, ça c'est le maître cylindre en fait pour la commande de l'embrayage avant et arrière hein, évidemment. Pour le reste voilà, le pédalier, l'arrière du pédalier est ici, maître cylindre des freins comme sur une 2CV normale. Dans les trucs rigolos, il n'y a qu'une batterie hein, pour toute la voiture. Par contre, il y a 2 régulateurs parce que comme il y a 2 moteurs, chaque moteur a sa dynamo 6 volts. Ça arrive ici, chaque dynamo est régulée et envoyée sur la batterie. Donc c'est assez amusant de voir que tout est en double ou presque puisque la batterie n'a qu'une. À l'arrière, pareil, on retrouve l'ancien 425 cm3. Le 12 chevaux comme on l'appelle, hein, même si ici il fait un poil plus. Il est comme à l'avant, le carburateur spécifique, le filtre à air spécifique avec un petit branchement là, sur celle-ci qui est pris sur la prise d'air latérale. Des gros tuyaux de chauffage, en fait ils ne ramènent pas l'habitacle, simplement ils servent à évacuer l'air chaud parce que le moteur est standard, c'est-à-dire qu'il aspire l'air par là et il la renvoie par ici. Donc c'est pas, il n'y a pas un ventilateur spécifique qui expulse l'air chaud, qui arriverait, l'air froid n'arrive pas par ici, repasse dans le moteur et est expulsé par le ventilateur. Non, l'air est aspiré par derrière et repoussé devant. En roulant, ça va être un peu bizarre, mais après, ça refroidit quand même a priori. Il y a des espèces de bouches là qui amènent l'air froid. C'est d'ailleurs des pièces assez rares sur les 2CV 4x4 Sahara, mais là, elles sont bien présentes. Et sinon évidemment bah voilà, le fond du coffre est découpé pour laisser la place pour les transmissions vers les roues arrière. L'échappement est spécifique, hein, il est un peu plus long derrière. Et donc pareil, voilà, le carbu, la tringlerie pour pour commander les deux accélérateurs en même temps. Donc quand on roule, évidemment, la pédale d'accélérateur commande les deux carbus, la pédale d'embrayage commande les deux embrayages. Alors c'est marrant, la porte de malle, enfin c'est un capot du coup maintenant, avec cette pièce mécano soudée là, et deux baguettes pour tenir la porte ouverte. Rigolo. Dans les trucs incroyables, évidemment, il y a les réservoirs d'essence. Comme il n'y avait plus de place derrière sous la carrosserie, Citroën les a mis sous les sièges avant, ce qui paraît assez fou de nos jours de voir ça. Donc il y a bien un réservoir sous le siège conducteur pour le moteur arrière de mémoire, et quand on va de l'autre côté, il y a évidemment un deuxième réservoir pour le moteur avant. Donc vraiment rigolo, vraiment un truc qui paraît complètement fou de nos jours, mais c'est comme ça. Alors pourquoi ils n'ont pas mis un seul réservoir, je sais pas trop, peut-être à cause notamment du couloir là, qui sert à passer la commande de boîte. Il n'y a pas de transmission hein, évidemment, puisque les deux mécaniques sont indépendantes. La seule chose qui les relie mécaniquement, c'est la commande de boîte de vitesse, pour qu'on puisse passer les rapports avec un seul levier sur deux boîtes de vitesse à la fois. Pourquoi ils n'ont pas fait communiquer non plus? Quand on fait le plein, on a l'air un peu stupide à passer d'une pompe à l'autre, mais c'est aussi ce qui rend cette voiture marrante et à part. Alors le capot avant aussi, c'est intéressant de voir comment il est construit. Pour accueillir la roue de secours, voilà, il y a un pied au milieu, c'est coupé, soudé, renforcé avec des tubes. Il est lisse, hein, il n'y a pas de nervure comme sur les capots de 2 chevaux ordinaires. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand la 2 chevaux 4x4 Sahara est commercialisée en 61, et bah, la 2 chevaux a déjà le nouveau capot. Mais comme Citroën a étudié cette voiture depuis 58 sur la base du vieux capot, ils se sont pas donné la peine en fait de refaire un nouveau capot. Je pense que ça avait coûté assez d'argent, et comme ils savaient qu'il n'y avait pas un débouché commercial énorme, ils se sont pas embêtés plus que ça. Ils ont gardé en fait l'ancien capot dans les années 60, malgré la présence du nouveau capot sur les autres 2 chevaux. Alors particularité de cette 2 chevaux de 65, modèle 65, c'est le numéro 723, elle a les portes avant qui ouvrent dans le bon sens. Vous pouvez voir que... Et alors, a priori, ce serait à partir du numéro 720 qu'elles sont équipées comme ça. Sur la 2 chevaux normale, c'est à partir de décembre 1964 que toutes les 2 chevaux adoptent les nouvelles portes. Sur la 2 chevaux Sahara, c'est un peu décalé. Il y a plein de choses qui sont décalées et on ne sait pas forcément, on connaît pas forcément les dates exactes en fait des modifications. C'est plus l'analyse des véhicules survivants qui permet de voir à partir de quel numéro et bah, telle modification arrive sur la 2 chevaux Sahara. Autre particularité de ce modèle 65, elle a donc le nouveau tableau de bord. Sur la 2 chevaux, sur la 2 chevaux normale, il arrive dès septembre 62. Donc assez tôt. Sur la 2 chevaux 4x4 Sahara, a priori ça serait pareil, seulement à partir du numéro 720, donc sûrement pour l'année 65, bien que certaines 2 chevaux Sahara ont reçu ce tableau de bord en 64, mais c'était seulement les 2 chevaux Sahara AT et pas les AW. Alors je vais essayer de faire ça bref. Le nom usine de la 2 chevaux 4x4 Sahara, c'est AW. On retrouve voilà, les lettres AW notamment dans la numération du moteur ou dans le numéro de série, etc. Citroën a fait aussi quelques 2 chevaux Sahara nommés AT, de type AT, et qui sont des véhicules renforcés. C'est notamment les fameux véhicules de la garde civile espagnole. Donc voilà, des voitures à part qui sont à prendre en compte un peu à part, mais qui font quand même partie des 694 exemplaires. Donc particularité de ce modèle 65, elle est équipée du nouveau tableau de bord. Toutes les 2 chevaux 4x4 Sahara ont un moteur électrique, sauf qu'en général il était placé là, à la place du compteur de vitesse sur l'ancien modèle, et le compteur était placé dans le vide-poche ici. Là, celle-ci, elle adopte la planche de bord en plastique, le moteur d'essuie-glace électrique au centre. Et donc à l'intérieur, elle adopte aussi le petit compteur trapézoïdal qui a la particularité, contrairement à la 2 chevaux normale, de ne pas avoir de jauge à essence. Sur cette 2 chevaux, pour vérifier le niveau d'essence, c'est comme sur les anciennes ou sur les vieilles fourgonnettes, on trempe la jauge dans l'un des réservoirs de 15 litres. Alors, à l'intérieur, tiens, on va regarder les panneaux de porte, ils sont spécifiques aussi puisqu'ils sont en contreplaqué, là il n'y a pas de tissu. faut vraiment penser que la 2 chevaux 4x4 Sahara, c'est avant tout un véhicule utilitaire. D'ailleurs, Citroën présentait ce véhicule à l'occasion d'événements sur les véhicules utilitaires et pas avec les véhicules particuliers. La cible, c'était vraiment, je pense, les médecins de campagne, les ingénieurs qui devaient se déplacer parfois sur des sites de construction avec peu de matos, voilà, juste un peu de matériel d'étude à la place de la banquette arrière. Mais l'idée, ça n'a jamais été d'en faire un véhicule non plus pour transporter vraiment des hommes et du matériel. Pour ça, Citroën proposait des utilitaires qui avaient plus de capacité de transport. Donc on continue dans les particularités de cette 2 chevaux. La platine pour démarrer le moteur, ça n'a pas évolué, c'était déjà comme ça avant, sauf que comme je vous le disais, il y avait le petit compteur en dessous. Alors c'est rigolo à bord, hein, je vais vous montrer. Donc là on a, il y a une clé différente pour chaque moteur. Tac. Le petit voyant de témoin de charge qui s'allume, le voyant de témoin de charge qui s'allume pour le moteur arrière, c'est vraiment séparé. C'est assez pratique en fait d'avoir ces boutons parce que si jamais un des moteurs cale en roulant ou en tout terrain, et ben dès qu'on voit la lumière qui s'allume sur un des moteurs, on sait qu'il a calé, ce qui n'est pas toujours simple parce que c'est quand même une voiture très bruyante et que voilà, et si on entend surtout le moteur arrière d'ailleurs, mais que si le moteur avant cale, on l'entend pas. Donc c'est pratique, d'un coup on voit qu'en fait à l'avant il y a plus de le moteur ne tourne plus. Donc et il y a des petits boutons pour démarrer chaque moteur. À remarquer d'ailleurs que la 2 chevaux 4x4 Sahara est bien en 6 volts, mais elle a des démarreurs à solénoïde, hein, alors contrairement aux démarreurs à tirette, ce qui en fait une spécificité de la 2 chevaux 4x4. Les démarreurs électriques 6 volts à solénoïde sont donc des pièces extrêmement rares. Vous voyez, l'arrière a démarré, l'avant a démarré, je veux dire, donc le voyant s'est éteint. Alors l'arrière, je ne l'ai pas démarré depuis un bout de temps. Alors regardez le starter, je vais vous montrer. Hop, le starter est là pour le moteur arrière, alors que pour le moteur avant, il est sous la tablette. Alors pour les rapports de boîte, je vais vous montrer. Sur une 2 chevaux 4x4 Sahara, c'est comme sur une 2 chevaux normale. On a la première en tirant vers soi, la deuxième en poussant tout droit, la troisième vers en bas et la quatrième en passant par la 3, évidemment. En retour par 3 et point mort. Voilà. Quand on est au point mort, on peut bouger ce levier et en fait on accouple simplement la commande de boîte, et là la commande est tout de suite plus dure parce que la commande de boîte commande les deux boîtes de vitesse. La 2 chevaux 4x4 Sahara est vraiment étudiée pour rouler avec uniquement le moteur avant. C'est très pratique, notamment quand on doit la déplacer. Voilà, si je dois la déplacer ici dans la cour, je démarque l'avant. On peut rouler aussi que sur l'avant. Ça avance pas très vite parce que la voiture est lourde. Elle fait de mémoire, je crois, en théorie 650 kg, 640. Bref, c'est une 2 chevaux quand même plus lourde, donc avec seulement le petit moteur devant, c'est un peu limite. Mais pour des petits trajets, ça permet de rouler de manière un peu plus économique. Donc bon, c'est quand même mieux de rouler en permanence avec les deux moteurs, notamment par le fait que du coup l'usure est créée de manière symétrique devant comme derrière. Il y en a peut-être qui se demandent comment on fait pour synchroniser parfaitement les deux moteurs. En fait, il n'y a pas besoin de les synchroniser parfaitement. Alors évidemment, c'est mieux de régler les deux carburateurs pareil. Ce qui est vraiment important, c'est de régler la commande de boîte pour qu'elle vraiment, elle passe les rapports en même temps. Mais là, ça fonctionne bien. Parce qu'en fait, qu'en roulant, s'il y a un moteur qui pousse un peu plus ou qui tire un peu plus, c'est pas très grave. Les moteurs se synchronisent automatiquement et c'était d'ailleurs un argument de Citroën à l'époque. Et on peut rouler en 4 roues motrices sur le sec, vu qu'il n'y a pas de liaison mécanique entre les trains avant et les trains arrière, il n'y a aucun risque de casse, contrairement avec un 4x4 habituel, en fait, quand on doit enclencher seulement le système 4x4 sur terrain meuble. Donc là, finalement, à l'usage, c'est assez commode, plutôt sans risque, donc ce qui en faisait quand même un petit véhicule 4x4 facile d'utilisation, contrairement au 4x4 de l'époque. Là, on avait quand même une voiture qui était capable à la fois de franchir des obstacles, mais aussi de rouler vite sur des chemins, tout en étant assis confortablement à l'intérieur. D'un point de vue confort, on est très bien, sauf le bruit, le moteur arrière est vraiment très bruyant. Et ce qui change tout, c'est de rouler avec la capote ouverte. Vraiment, ça c'est le jour et la nuit. J'ai un peu roulé avec la voiture, j'ai roulé une fois 50 km avec la capote fermée, je suis revenu, j'avais une tête comme une patate. Et je suis allé faire une autre fois un tour, et là j'avais la capote ouverte et ça métamorphosait les sensations de conduite. Et là vraiment, c'était le bonheur. Parce que le bruit en fait il part au-dessus et on l'entend beaucoup moins. Alors je vais vous expliquer en quelques mots comment on roule une 2CV 4x4 Sahara. C'est quand même une voiture qu'on n'a pas tous les jours la chance d'essayer. D'un point de vue direction, c'est une voiture normale, c'est une 2CV tout à fait normale, donc la direction est identique à la 2CV, c'est-à-dire pas trop lourde, précise, vraiment c'est très chouette. Point de vue freinage, on est assez proche d'une 2CV, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus dur, malgré le fait que j'ai refait les freins avant. Je trouve qu'elle est assez dure à freiner, il n'y a pas énormément de mordant. Alors sur une 2CV, voilà, même une 2CV de l'époque, en général on a quand même un truc un peu plus convenable. Là c'est quand même globalement assez dur quoi. Point de vue commande d'embrayage, ça va assez bien puisque l'embrayage est à commande hydraulique, donc le ressenti est pas mal. C'est différent d'une 2CV normale, mais vraiment c'est pas spécialement lourd. Je sais que beaucoup de gens racontent que c'est horrible à conduire, etc. Moi c'est pas la sensation que j'ai eue quoi. La commande d'accélérateur par contre est particulière, vu qu'il y a deux câbles qui commandent, enfin il y a un système un peu particulier avec un renvoi vers le moteur arrière. C'est vrai que la commande d'accélérateur est perturbante. Il ne faut pas appuyer dessus comme sur une pédale d'accélérateur normale de 2CV, il faut appuyer plutôt sur le haut et c'est pas évident de bien sentir, surtout quand on commande les deux moteurs et surtout quand on démarre les deux voitures, il faut un peu gérer l'accélération des deux moteurs avec une seule pédale, c'est un peu particulier, mais on s'y fait assez vite finalement. Donc ouais, la commande d'accélérateur un peu lourde, un peu on-off, mais on s'y habitue assez bien. Ce qui est plus compliqué, c'est la commande de boîte. La commande de boîte, évidemment, quand on n'est que sur le moteur avant, c'est quasiment comme sur une 2CV normale. Quand elle commande les deux boîtes de vitesse, c'est un peu plus lourd, c'est un peu plus délicat d'enquiller en fait chaque rapport. On a un peu l'impression de conduire un camion. Et c'est ça qu'on entend souvent dans les témoignages des gens qui ont roulé en 2CV 4x4, c'est que c'est un peu utilitaire. C'est vrai que la commande de boîte est plus lourde. En même temps, elle donne une sensation assez plaisante, c'est-à-dire qu'on a vraiment la sensation d'être un bonhomme à chaque fois qu'on enquille un rapport. Et voilà. En ce qui concerne les performances, conduire une 2CV 4x4 sur la route, c'est en fait vraiment super plaisant. Alors passer le problème du bruit du moteur arrière, comme je vous le disais, vous roulez avec la capote ouverte, il ne faut pas qu'il pleuve. Quand vous roulez avec la capote ouverte, le bruit est raisonnable et le fait d'entendre comme ça les deux moteurs qui tournent en stéréo, c'est une sensation vraiment étonnante. Ça ne fait pas un bruit de moteur 4 cylindres, ça fait vraiment un bruit de deux moteurs de 2CV qui tournent plus ou moins de manière synchronisée. C'est vraiment rigolo. Et en ce qui concerne les performances, à chaque fois que vous enquillez un rapport et que vous accélérez à fond, la voiture a vraiment pas mal de couple. C'est assez surprenant, elle part vraiment bien. Alors évidemment, ça reste des vieux moteurs de 2CV qui montent pas haut dans les tours comme celui d'un moteur de 2,6 CV. Au niveau de la vitesse de pointe, on est à peu près à 100 km/h, ce qui, encore une fois, est inférieur à celle d'une 2,6 CV. Mais il faut rappeler que dans les années 60, quand la 2CV Sahara sort, la 2CV normale n'a que 12 chevaux. À partir de 62, à partir de février 63, elle a 18, ce qui permet d'atteindre les 80. Donc on est quand même sur des performances supérieures à celles d'une 2CV contemporaine. En ce qui concerne les capacités tout-terrain de la Peugeot 4x4 Sahara, je ne suis pas allé essayer. C'est évidemment une voiture qui coûte beaucoup d'argent actuellement. Donc je n'ai pas essayé de la mettre en difficulté. J'ai pris un peu un chemin juste pour voir. J'ai essayé de faire une petite côte dans l'herbe, ça semblait y aller, mais évidemment la difficulté là, je pense la limite c'est plutôt les pneus. La Peugeot 4x4 Sahara équipée d'origine de pneus en 155-400, on pouvait avoir les roues en 15 pouces en option aussi, c'est assez étonnant d'ailleurs qu'il y avait encore les roues en 400 dispo, je pense que c'était pour rehausser la garde au sol. Évidemment avec les pneus en 400 c'était les Michelin X, donc un profil plutôt route et pas du tout pour les chemins. Encore une fois, je pense que l'idée c'était plus d'avoir un petit véhicule qui puisse passer facilement, confortablement sur des bosses que vraiment faire un véhicule de franchissement. D'après ce que j'ai pu dire, à la limite c'était vraiment les terrains boueux, voilà, elle n'aimait pas les terrains boueux, mais par contre le sable, elle s'en sortait très bien, on connaît tous les exploits de la 2CV sur la dune du Pilat. Et finalement il y en a très peu qui sont allés au Sahara, c'est ça qui est rigolo, on l'appelle Sahara, mais je pense qu'il y en a très peu qui ont vu le sable du Sahara. Mais beaucoup de gens les équipaient avec des gros pneus crampons. À l'époque, en tout cas ceux qui en avaient besoin, surtout dans la neige, on a vu pas mal de Peugeot 4x4 Sahara équipés de pneus cloutés assez fous. Il faut savoir qu'il y avait quand même des Peugeot 4x4 Sahara qui servaient à déneiger les routes de montagne, donc elles avaient une lame fixée à l'avant. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai encore appris des choses, en particulier sur cette voiture assez dingue. Pour revenir sur cette voiture en particulier, il s'agit donc d'une 2CV 4x4 Sahara modèle 65, couleur gris rosé, intérieur rouge, une combinaison qu'on ne voit pas très souvent, qui était quand même, parce qu'il faut vous dire que les 2CV 4x4 Sahara sont plutôt en général voilà, de 61, 62, 63, on voit moins souvent les modèles 65 puisqu'il n'y en a eu que 38 de mémoire, cependant sur les modèles 65, quand on voit des survivantes, elles sont quand même, on les voit quand même en gris rosé. C'est une combinaison qui le voit très bien, hein. C'est très sympa, hein. Moi j'aime beaucoup, je pensais pas en fait flasher autant pour cette bagnole et clairement le fait de l'avoir ici pendant quelques temps, de la réviser, de bosser dessus, de pouvoir la faire un peu rouler, j'en veux une quoi, j'ai pas les sous mais j'aimerais vraiment pouvoir en avoir une pour moi. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Ah oui, pour revenir sur cette voiture en particulier, c'est une voiture que j'ai trouvée pour un client qui rêvait voilà, d'avoir une 2CV 4x4 Sahara. Ça faisait 20 ou 30 ans qu'il en cherchait une, qu'il n'en trouvait pas. Il m'a contacté et j'ai pu lui en proposer, plusieurs, dont celle-ci qu'il a sélectionnée et il a bien fait parce que la voiture, comme vous avez pu le voir, elle est superbe. J'ai mis plusieurs photos sur mon site internet d'ailleurs si vous avez envie de la voir pour le plaisir dans le détail. Donc si jamais vous aussi vous cherchez une 2CV 4x4 Sahara et vous n'en trouvez pas, vous pouvez me contacter. J'essaierai de vous mettre en contact éventuellement avec des propriétaires d'autres exemplaires qui sont à vendre. Voilà. Merci pour tout. Pensez à vous abonner, c'est important. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.